Bon ben, là je viens de grimper une montagne, je suis dans mon enclos, j'entendais quelque chose, le son d'un petit bébé, la maman est pas contente, si ça serait à l'état sauvage, faites pas ça, mais là moi vu que c'est mon enclos, je devrais sont un petit peu plus habitués, et c'est un crème qui est pas vu, checkez bien ça. Il doit avoir à peu près 2-3 jours, le petit bébé. Je vais m'approcher tranquillement. Il bouge pas. Il est tout petit. Je pense qu'il a le cop gros de même. Je vais m'approcher, ok? Va se coucher. Checkez-moi. Tiens, regardez. À cet âge-là, c'est son seul mécanisme de défense. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il se couche. Fait que c'est ça. Fait que le seul mécanisme de défense qu'il a, c'est de se coucher puis de pas bouger. Puis vous devez savoir qu'à cet âge-là, il n'y a pas d'odeur. Parce que la maman, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout le licher pour tout enlever l'odeur du petit bébé. Fait comme ça, s'il y a un prédateur qui passe, que ça soit, attendez, qui est là, que ça soit un ours, un coyote, un loup, s'il passe à côté, il va pas le sentir. Parce que justement, la maman, elle va tout avoir enlevé toute l'odeur. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Je ne vais pas faire exprès non plus. Je vous dis, je vais être rendu à 3 mètres. Parce que je vais faire, je vais revirer la caméra pour vous le montrer. Mais je vous le dis, là, il est tout petit, calvaire. Checkez-moi ça. Là, la maman est juste plus haut. Puis elle est vraiment pas contente. Fait que c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement le prendre parce que checker ça où est-ce qu'il est. C'est vraiment, c'est un cap. Puis il y a des chances peut-être qu'il peut tomber parce que je vous dis, il est vraiment pas agile. Il y en a un autre, probablement soit un petit frère ou une petite soeur, il était deux. Lui est un petit peu plus agile, il doit avoir à peu près une semaine. Lui il courait, ça reste pas bien, mais lui, il est juste au bord, il est vraiment pas agile. Fait que ce que je vais faire, je vais le prendre. Même que je vais le prendre, il va se mettre à pleurer. Pourquoi qu'il va pleurer? Ben ça, c'est pour rappeler sa maman. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer de vous placer le téléphone. Je vais juste le prendre, je vais le mettre un petit peu plus haut. Comme que je vous dis, ça sera l'état sauvage, faut pas faire ça. Parce qu'à l'état sauvage, ben l'odeur humaine, ça peut faire que la maman, elle va rejeter le petit. Fait que là, ce que je vais faire, et là, c'est tout du light. Là, je m'assure, c'est pas mal à la bonne place. Okay? Donc là, je vais vous mettre ça. Je vais mettre ça de même, ok? Que je vous ai dit, je vais juste placer ça. Il est vraiment pas vieux. Ce que je vais faire, son cœur il bat vite, vite, vite. Alors, regardez, ce que je vais faire, je vais le monter juste un petit peu plus haut. 5 grammes. Je vais le monter un petit peu plus haut pour
que ça soit un petit peu plus sécuritaire. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au pied d'un arbre. Je vais juste le déposer. Puis je vais vous revenir, ok? Laisser là. Puis sa maman, elle va le retrouver. Je vais m'en aller bien tranquillement. Je vais le laisser faire. Yes, sir, c'est vraiment le fun. C'est le temps des naissances. On est dedans. Là. Fait que je vais vous prendre une petite photo pour vous le montrer. Je trouve ça vraiment cool. Donc, salut là. Regardez. Et là, il s'est élevé. Probablement qu'il va aller se cacher. Qui va se trouver une place meilleure. Oh mon Dieu. Ça, c'est tous les arbres qui ont tombé, là. Et mon Dieu, qu'ils sont vulnérables à cet âge-là. Hein. Il est pas agile. Fait que je vais le laisser faire. Puis. Mais qui va s'ennuyer, ben, il va appeler sa maman. C'est le fun. Fait que je vais le laisser aller. Fait que je m'en aller. C'est ça. Oh, c'est un crème. Il y a de la misère à passer les arbres. Fait que checkez bien ça, là, pourquoi que je l'ai enlevé de là. Parce que ça, c'est mon enclos. Checkez bien ça. Là, mon téléphone, il est droite. Ça, c'est direct ça où est-ce qu'il était. Quoi? Fait que c'est ça. Ça, c'est collé-collé sur la ferme. Parce que je l'entendais crier, je me demandais. Puis quand que je l'ai vu et que j'ai vu le niveau, j'ai fait tabarnane. Puis deux, trois fois, il a passé proche de s'enfarger puis de tomber. Fait que, quand même une bonne côte, là. Fait que c'était un petit ongeaz de naissance. Fait que moi, je redescends puis moi, je retourne travailler. Salut!